Hey yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons le royaume des Odris, le royaume d'Odricia. Alors voyons voir, est-ce que... Eh oui, ça a faim ici, hein. Bah oui, ça a faim. Ça a faim, ça a faim, c'est très très bien. Peut-être faire un petit peu de... Oui, voilà. C'est quoi le nom? Bendis. Bandis. Au choix. Ils sont quand même pas fait piller, c'est con. Non, ils ont réussi, hein. Mais non. Ils se sont fait piller, mais c'est pas vrai, mais ils étaient en ultra supériorité numérique. Mais c'est quoi ce délire? Mayen ne comprend pas, là. Il a du mal à comprendre. Bon. Toujours étant que eux, ils sont débarrassés des rebelles. Allez hop. Vous retournez à Olbia. Ok, comment est... ok, Balkan, c'est très bien. Site 80%, c'est très bien. On se remet de la peste tranquillement, vraiment tranquillement. Peut-être 93. Ouh. Bon, vraiment de quoi augmenter mon ordre public, hein, parce que là, ça craint du boudin. Montre, on a 3. Ah, c'est l'hiver. Bon, allez. C'est l'hiver, je peux comprendre, à la rigueur. Qu'il y ait un peu plus de mal. Au niveau de l'ordre public, voilà. La mission imminente. Panonia. Ah oui. Oh. Attends, mais il y a des rebelles, hein. Ce que je vais faire là, c'est que je vais aller à Kink, je vais fusionner mes deux troupes et je vais aller direction Tur. Et je vais remonter petit à petit, parce que là, les Lugiens, ils commencent à me saouler un peu. Pas faire grand chose là. Moins 7. Ah ouais. Bon. Voilà, ça va aider un peu à l'ordre public. Pas énorme non plus, mais... Pas trop trop le choix. Après, tu me diras, celui qui me fait baisser l'ordre public aussi, c'est celui-là. Hein. J'ai pas de quoi... Ah oui, bah oui, moins 8. Après, il apporte certains bonus quand même, pas dégueulasse. Hein. 15 de diplomatie avec d'autres factions. Et c'est où? Plus d'influence culturelle, il apporte pas mal de choses. Hein. Eh ouais. Et bon. Et plus de taxes. Non. C'était prévisible. Oh, moins 1. On est presque en plein en négatif, dis donc. On va aller chercher Aiden Kekedan. Hop, on relâche les captifs. Je ne peux pas rentrer à Delminium. Heureusement, ils ont... Ah, ils sont allés dans la flotte, ils sont malins. Eh ben, parce que... S'ils vont là, en fait, ils sont sur les bateaux juste devant, ils meurent pas de faim, mais s'ils sont pas sur les bateaux, ils meurent de faim. C'est quand même ballot. C'est. Ouais, bah oui. Ouais. Voilà. Ici, oui. Tu vas me passer. Ça, s'il te plaît. On est 19. Oh ouais. Bon, écoute, je recrute le petit 20e pour la forme. Et putain, vache, l'ordre public. Qu'est-ce qui fait que ça baisse autant?
Instabilité pro. Ah oui, d'accord. Peut-être dû au fait que j'ai rasé un peu les. Oh, que j'ai possiblement rasé de ville, mais bon, c'est. Ah oui! Oh, oh. Hein? Ah oui, Suève. On verra ça un autre jour. J'ai cru que c'était les bastards, je me suis trompé. J'ai négocié. Ah, ok. Athènes. Ah ouais? En même temps, ils arrivent pas. Ils peuvent pas se. Ils peuvent pas s'attendre l'un l'autre, je suis entre les deux. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Hein? Ah ouais, d'accord. Bon, ouais, c'est chelou, hein. Il se passe des trucs chelous. Hein. Ok. Là, et les rebelles, ça y est, sont venus. Ah, dommage, j'ai pas là. Comment ça? Ah, il me manque 29. Oh, bah snif. Bon, le printemps, c'est déjà mieux au niveau de l'ordre du public. Ah, bah là, il manque pas 29. Hop! On va laisser peser, hein. Sont détruites. Confédération Celtibère. Ok. Allez, en chemin, les gars. Hop. On va faire un petit tour des. Oh. Bon, j'ai pas assez d'argent. Je l'aurais bien fait, mais j'ai. Je n'ai pas les finances, hélas. Je galère déjà à financer mes villes. Alors, tu te doutes que. Te financer, toi, va être un petit souci. Ok. Là, ils en peuvent plus. On va y aller direct. Je vais piller parce que j'ai un peu de marge au niveau de l'ordre public. Bon, moins ce tour-là, mais j'avais un peu de marge au niveau de l'ordre public. Sont toujours vivants, hein? Ah ouais. Bon, ouais. Ça va aller par là ou par là. Ils ont pas non plus trop le choix. Hein. Et là, on va. Ouais, faut que j'aille sur les bastards. Hein. Les Lugiens, je veux dire. Putain, les Lugiens, attends. Ah ouais, il y en a même jusque-là, quoi. Ah, les Lugiens. Ah, les Lugiens, ils sont en train de se taper un peu contre tout le monde. Donc, il n'y a plus qu'à récupérer quelques morceaux, quoi. C'est même pas eux ici, j'ai l'impression. On va y envoyer l'espion, on va voir ce que qu'il va y découvrir. Ah, enfin un ordre public positif. Enfin, remonté. Il est pas positif, mais si on garde le rythme, un jour il y sera. Non. C'est pas le moment de se faire des ennemis. Là, les autres, j'ai l'impression que. Ah non, ils sont là. Bon, allez, on va les chercher. Attrapez-les tous. 990. Bon, disons que c'est ça de prix, quoi. De l'ordre public. De l'ordre public. Ah, je pourrais peut-être laisser cette province toute seule. On avance petit à petit là-bas. L'ordre public ici, il dit que si je compte bien, il devrait pas passer en dessous des moins 99, 89. Ah, il est lugien là. Pas que de non-agression, non. De mon agression. Oui.
Alliance défensive, non. C'est très bien que j'ai besoin de ta région, tu le sais. Mais moi, on est au courant. Hop. À part Rome, j'aurais pas trop de danger dans ce coin-là. Après Rome, une fâcheuse tendance à nous casser les bonbons aussi. Est-ce que j'y arrive en un tour? Non. La route est pas terrible, c'est l'été, heureusement. Donc là, je dois être à moins 1. Yes, et tour prochain, je devrais être à 0. Donc il se trouve ce qui est aux mains des Lugiens, ça m'étonne pas. Alliance, accès militaire. Propose plus un pacte de non-agression. Ouais. Bon, Rome devrait pas être un... Ah, eux, quoique. Quoique, Rome... Comment dire? C'est jamais vraiment ce qui va se passer avec eux. Hein. Ils se rencontrent Suève. Ok, ouais, les fameux. Alors, ici Suève, ici Boyens. Ah ouais, Suève. Lugien ici, ok. Bon bah je vois à peu près ce qu'il y a. Là on est bien. Tur c'est quoi? Galice, mon Régis. Oh, d'accord. Donc là on avance. Alors, on prend Tur. Ah la vache, c'est de la perte. Nouvelle région, je peux me permettre de piller. Hein. De raser parce que c'est même pas en plus ce ne sont pas mes bâtiments. Ok, là on doit taser. J'ai mal calculé, c'est pas grave, ça va augmenter un peu, ça coûte cher. Hop là, je devrais pas avoir de soucis dans le coin. Ici ça donne que ça remonte un peu encore l'ordre public, là c'est pas terrible et là on est bien. Bon, dans tous les cas j'irai sur les brosses et les éravistes. Les jettes, ça en jette. Alliance militaire, bas parce que. Oui, parce que Lugien. Les brosses, non. D'ailleurs, je vais aller vous attaquer parce que vous. Me ferez bien voir de Rome. Non, non, ça. Non, le public. Il est bon au niveau d'aluminium, il y a des. Plus, si je prends Segestica, j'aurais dû faire. Ah ouais, il me faut Segestica. Hein. C'est pour ça que Rome va dessus d'ailleurs. Là, on prend 22. Ouais, on recrute. 22, et si je retire mes troupes, qu'on rigole un coup. 0. Ouais. Ok. Bon, alors, on a un peu de nourriture ici. Hein. Tant qu'à faire. Tac. Ouais, non, ça c'est bon. Tac, hors de public, il y a quoi ici? Hop, hellénisation. Hein? Ah ouais, hellénisation. Bizarre. Bon, après, je suis pas spécialiste. Bon, allez. Chut. Comme ça, Rome il sera content. On encercle. Est-ce que je peux me permettre d'amener des renforts? Oui. J'ai pas la portée des renforts, dommage, ce sera le prochain tour. J'ai toujours pas une province entière. C'est triste ça, non? J'ai pas de province entière quoi. Il faut que je fasse gaffe à Galice quand même. En vrai, si je pouvais faire tomber Galice. Accords commerciaux. Ça me va. Vraiment, ça élimine la menace qui est là, hein, donc ça me va. Non, ça, par contre, j'en ai. Ouais. Pire pas de perdre trop de troupes. Yes. J'ai
rien vraiment perdu. J'ai un tar. Nart. Ah ouais. Ah il a libéré. Bon bah pas Galis. Faut s'en occuper. Bon pourquoi pas. Ils ont combien de survivants là? Ok. Eux je vais les Oh quoi que. 8%. Il reste vraiment pas grand chose lui hein. Après ce sera l'occasion d'en changer hein. Hein? Non bah non. Non non j'ai pas les fonds. Donc on va faire tomber la ville avec ça. Ça évitera d'avoir des pertes. Raser pied. Pied rasé plutôt. Voilà. Et je vais changer, je vais faire ça, ici je vais faire autre chose. Là oui, là oui, là oui. En vrai de vrai. Au niveau de hacking. Donc en vrai de vrai. Je vais retirer. Non mais vous inquiétez pas, ça a du sens. Il y a une logique. Ça a une totale logique. Hop, un peu de nourriture, ça fera toujours du bien. Ici ça se passe bien. Ça se passe bien. C'est bien, je m'entends bien en plus avec mes copains là. Dacia. Oh, faut pas déconner non plus. Non, non, j'aime pas. Non, les accès militaires, une fois on me l'a mis à l'envers comme ça. Il va se faire voir. Non, non, c'est un conseil pour vos parties, ne donner un minimum d'accès militaire, parce que après ils viennent chez vous. Ils entourent vos villes là, et puis d'un coup ils font ah, au fait, non. Oui, bah non. C'est pas comme ça que ça marche chez moi, quoi. Hop, bonne Bendis. Alors, d'avoir. Qu'il faut. Ouais, on est à 8, 8 d'ordre public. Impeccable. On est en automne par contre, donc ça va baisser un peu l'hiver ici, c'est bon. Ici, c'est. Alors faire attention. Et j'avais pas prévu que j'avais plus d'argent. Bon, on va essayer de prendre Hacking. On prendra également Anteia. Et à partir de là, on stabilisera un maximum. Parce que. Oh merde. Chier, leur incendie à la con là. J'ai des priorités quoi. Hop, ça. Et ça, oui. Toi, tu sers à quoi toi? T'es même pas capable d'arrêter un incendie. Je disais donc. Ouais, oui, ouais, les confédérations germaniques là. Bon, j'ai envoyé mon espion de Teia. Comme je disais. Ah! Ça coûterait combien? Ah! Bon, c'est cher. Hein. On va améliorer ça déjà, c'est bien. En général. On va peut-être dû réparer des trucs, des bâtiments, mais bon. Beau parleur. On se fait bien voir des. Voilà. Oui! Voilà, t'as tout compris. Corps commerciaux, j'aime. Ah, bon. Bon, bah, on va aller sur le sud avant d'aller sur le nord. C'est. Voilà. C'est de l'adaptation, hein, de l'adaptation constante. Bon, voyons voir. Personne à Paya. Epidamno, c'est du monde, donc d'aluminium. J'avais pas des troupes là. Ah ouais, c'est Gestica. Donc hop. Donc Epidamnos. Voilà, l'ordre public il va être compliqué là. L'aluminium, j'espère qu'il va pouvoir
tenir un tour. Tendu, ça va être tendu. Pas recruter, j'ai plus de troupes. Et plus de thunes déjà? Non. J'ai pris une construction à neuf, faut pas déconner. C'est plus de la reconstruction là, c'est de la destruction et reconstruction. C'était Mariam? Qui ça, lui? Ah oui. Pardon. Ça faisait longtemps. Au moins une heure. Alors. Tour prochain, on arrive à d'aluminium, mais on n'a pas non plus des nombres de troupes extrêmement élevés. C'est pas mes meilleures troupes. C'est pas les pires. On est comment là-bas? En hiver, on est bien en ordre public. Accords commerciaux. Oh, il me propose des thunes en plus. Bon. Ah non, gens disponibles. Ah bah merde. Ah bah c'était pas prévu ça. Bon bah je vais mener la bataille sur le champ. Ah non, c'était clairement pas prévu. Bon. Une très probable défaite en perspective. Ils vont attaquer d'où? De là, sûrement. L'entrée principale. Ah, de là, des fois, ils attaquent. C'est vrai. De là ou de là? De là, ils aiment bien. De là aussi, je crois que de là, quand ils sont moins nombreux. S'ils sont plus nombreux, ils vont attaquer ici. C'est pas illogique. De là? Ok. Ah, ça marche pas, ils ont pas de. Ils ont pas de formation de bouclier, ça. On va faire quelque chose. On va sortir nos unités avant que les leurs arrivent. Surtout s'ils ont de la cavalerie. Et on va aller défoncer là le général qui est là. Avant qu'il arrive avec son machin. Les renforts viennent de tout derrière. Oh yes, ça c'est bien. Parce que là, ils n'ont aucun passage. Bon. En vrai de vrai, le mec là, s'il s'y met là, il a cette petite colline là, il arrive comme ça. On arrive en haut. Bon, je sais pas trop ce qu'il fait une fois en haut, mais voilà. Il se débrouille. Ils ont de la cavalerie ou pas d'ailleurs? Ça, vu de nez, j'en vois pas. Donc j'ai un peu de temps. Ok. Allez, mettez-vous de traviole. Je veux que vous les pilonniez, mais alors là. Je veux que vous en fassiez des passoires. Allez, placez-vous correctement, les gars. La question, c'est d'où vont venir les. Où est-ce qu'ils vont attaquer les renforts? Parce qu'ils sont un peu loin. Bon, ça donne quoi? Ils sont résistants quand même, les Spartiates royaux. Hein. Ils sont quand même sacrément résistants, hein, parce que là, ils sont bien pilonnés. Bon, après, on loupe la moitié de nos trucs. Voilà, bah, y en a, ils ont des hérissons, les mecs. Hein. Des vrais hérissons, quoi.
Pourquoi ils se mettent en ligne comme ça? J'ai du mal à comprendre, c'est pas grave. Et d'accord, ils se mettent en... Ah oui, c'est vrai, ils se mettent en formation terminale. Bon, ils ont perdu la moitié là, tout pile. Oh putain. J'aurais voulu le faire exprès que j'aurais pas réussi. Allez, le but là, c'est qu'ils n'arrivent pas au niveau des portes là. Alors, se grouiller un peu là. Allez, maniez-vous le fiac là. Ils sont plus rapides à pousser un truc que vous à vous déplacer alors que vous êtes très légère. Légère, d'extrêmement lourde, ils sont plus rapides que vous, les gars. Vous vous rendez compte là? Allez. Allez, feu à volonté là. Ah, voilà. Ah, voilà. Ah, allez, encore, avant que ça atteigne. Yes. Ok, on rentre. On retire le feu à volonté et on... Voilà. On a même pas besoin de courir. En vrai, easy. Tranquillement. Bon, ils vont passer où? Il passe par là. Il n'y a pas de route par là, si. Ah, ils vont passer par là pour arriver là. Ah ouais. J'ai pas de passage ici. Ah, c'est l'évolution de la ville où il y a un passage là. Ah, je savais pas. Oh merde, j'étais persuadé qu'il y avait des portes. Ils ont l'air perdus. Hein. Ils ont l'air perdus. Ah les gars, ils découvrent. Hein. Bon, ils me foutront une branlée après, donc... Ça permet de la fermer, mais... What the fuck? Waouh, wow, ça déconne, hein. Ah oh ouais, il sait vraiment pas quoi faire. Hein. Je vais quand même pas la gagner comme ça, la bataille. Non, en plus de 4000 heures de jeu, je peux vous dire, j'en ai pas eu souvent des batailles comme ça. Hein. Et il recule. Là, ils savent pas trop. Ça sent, même le PC il sait pas trop quoi en faire des unités, il change d'ordre tout le temps. En fait, c'est comme s'il y avait un passage pour lui ici, mais il le trouve pas. Et là, normalement, il y a des portes, je sais pas pourquoi il n'y a pas de portes. En vrai, non mais les. Enfin. Tant qu'à faire un truc comme ça là. Mais tu le fais là. Enfin. Tu y as un peu de place dans le village. Même pas de porte. Il y aurait des portes. Encore. Je t'aurais dit ok. S'il y avait des portes là, en vrai, là, tu mets des archers embusqués là. Tatatatata. Puis c'est bon. Bon, ça y est, ils ont plus envie. Ah! Oh! Ah, dommage. Enfin, dommage, et tant mieux d'un sens, mais. Bon, alors, ils vont peut-être arriver ici, ça veut dire. Donc, je vais les faire aller à la marche tranquillou. Pas besoin de se presser, les gars. Vous êtes sortis tout à l'heure, vous avez déjà vidé la moitié. Putain, la moitié de vos munitions sur une unité de général. Hein. Allez, la vache. C'est-à-dire à quel point ils sont costauds, quand même. Qu'est-ce que vous faites là, les gars? Bah. Vous n'avez pas la place, c'est ça? Ah bah non, bah apparemment... Apparemment, je vais les placer manuellement parce qu'ils ont du mal. Bon, bah un ici, s'il vous plaît, les gars. Qu'est-ce qu'il vient foutre ici, lui? Hein?
Non, sur le mur. What the... Bon bah pour le coup, pour la peine courez hein, parce que vous avez perdu du temps. Hein. Pourquoi ils sont allés dehors pour aller sur les murs? Non mais je sais pas, hein, je suis pas un spécialiste, hein, mais en général quand tu veux monter sur un toit, tu passes pas par la cave quoi. Ouais, là j'ai toutes mes unités. Ah bah non, c'est là que ça déconne. Pardon, les pertes là qu'on a? Bon, je vais les mettre... Mettez-vous là-bas, hein, parce que, clairement... Non, mais ils vont sortir encore ces compu... Pas vrai? Regardez, ils vont sortir. Je sais pas pourquoi ils veulent absolument sortir. Là, c'est... C'est terrible. Voilà, ça y est, enfin. Vous courez, hein, les gars, au moins. Ah vache, mais c'est des snipers les mecs. Ils sont en deux, ils font des dégâts absolument terribles. Si tu me dis que d'ici ils avaient touché, je te dis bah les peut-être un souci là, non? Allez, faites faire monter, putain. Enfin, entre la tour à flèche qui est là et tirailleurs, ça devrait passer. Putain, j'ai une unité qui s'est faite, mais... Attends, oh non. Oh oh. Ils me prennent la partie... sur deux points différents que j'avais pas vu du tout. Et heureusement, ils sont trop cons pour reprendre les échelles. Hein. Par cette royaume. Après, ils prennent de la perte, mine de rien. Il subit de lourdes pertes. Toi, va là-bas. En évitant de passer par dehors, si possible. Hein, je te connais. Ok. Eux, pareil. Eux. Vous allez là-bas. Là, ils ont fait une diversion, les salauds. Mais la tour, sinon tu... Oui? Ça y est. Ah, quand même. Ils se prennent pas mal de tirs, mais... Ils résistent, les gars. Il y a la moitié de leurs troupes qui ont le cul en feu, mais... Oh, toi, tu vas là. Oh, je les vois les javelots. Hein. Ça boit des ilotes. Je les vois très bien. Bon, et là, on est d'accord qu'en vrai, il n'y a pas de perte. Hein. Ils sont beaucoup trop près. Hein. Ça reste des javelots ilotes, faut pas déconner non plus. Soyez vigilants! Et là, ils ont fui, c'est cool. Good, good, good. Lancier Périècle. Il y a encore des troupes là-bas qui sont bloquées, c'est tant mieux. Là, c'est par ce royaume, ils prennent un sacré tarif. Hop. Bon, sortez pas, les gars, hein, je vous ai à l'œil. Ils font mal aux portes en plus, hein. Non, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à viser. Si. 39, 14.
Oups. Squeezez-moi. Oui, c'est bon. Ils ne sortent pas. Ils sont plus intelligents que ça. Ah. J'ai de la chance un peu dans cette bataille quand même, c'est que les unités. Merde, ils vont refoutre le feu là, en plus spartiate extrêmement lourde. Ils vont pas être simples à des. Vous visez qui? Y a personne, les gars, vous visez dans l'herbe. Pourquoi vous visez les trois troupes ennemies là qui sont. D'accord, ouais. C'est ouais, bon. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Eh oui, bougez-vous le fiacre. Bon, eux, on va les mettre en renfort là, ils ont plus de munitions. Donc... Oh, non, mais j'ai presque plus de munitions sur aucune de mes troupes enfin. J'arrive à me débarrasser d'eux là. Ah oui, j'ai plus de munitions. Ah bah oui, c'est vrai. Il n'y a plus qu'à attendre l'œuvre des tours. Un peu comme là-bas. Après les lanciers périèques ils prennent un peu plus de dégâts, c'est des unités moyennes. Mais là, les portes elles vont pas kiffer. Hein. On peut voir les hoplites spartiates royaux là, ils prennent pas beaucoup. Les hoplites spartiates non plus. J'ai pas l'impression qu'ils se prennent beaucoup de flèches hein, en plus, hein, c'est comme si vous là. Trois flèches, j'ai pas l'impression qu'elle fasse grand chose. Putain, je vais perdre mes portes. Heureusement là-bas, ils ont pas l'air de vouloir se bouger le fiac. Mais bon, je perds mes portes assez gratuitement. Avec une tour à flèches qui ne va rien faire. Ils sont 18, ils tiennent. Hein. En forme. Ah, ça y est. Ils se sont dit, bon, les mecs, on a peut-être pris cher. Ah, ça y est, l'autre se réveille aussi. Bah, il était temps. Hein. 99% de dégâts. Hey, peut-être se réveiller un peu avant. Hein. Et les dégâts que vous faites en plus. Oh, merde. Ça, c'est pas cool. Bon. Faire sortir mes troupes. Le but étant que mes tours à flèche puissent faire un peu de dégâts. Regardez le mode garde, faut pas déconner, ça reste des spartiates royaux. Excuse-moi, avec des unités de garnison. Aïe aïe aïe. Bon, allez, au moins les javelots-ilotes, ils prennent cher. Voilà, voilà, ça y est, on a fait fuir tout le monde, là on va reculer. On se prend trop de tirs des javelots-ilotes. Exactement, barrez-vous sur le côté là. Vous êtes hors vision. Vous n'êtes pas hors vision. Allez derrière alors dans ce cas. Bon, reculer autant que possible. Hein. Si c'est les peltastes qui doivent faire le travail. Ce sont les peltastes qui font le travail. Hein. Eh mais ouais mais non. Ils vont fuir, on va. Là il me voit, là il me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit, on me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus, on me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit, voilà. Hop, là bien évidemment. Avant de perdre mes tours. Qu'est-ce que je fais? J'engage le corps à corps. Non? Ils veulent pas hein. Pour ceux qui prennent des pertes, hein, enfin en moyennant les dégâts de mes tours, mais...
pas l'air de vouloir tant se réveiller que ça. 70. Ils veulent pas s'avancer, mais ils peuvent pas non plus trop reculer, ils savent pas trop quoi faire. On va voir. Ah ouais. Bah, j'arrive. Non? Eh? Voilà. Donc c'est à partir de là où ils font une salve. C'est à partir de là où ils reculent. Très bien. On va y arriver. Ils savent pas ce qu'ils veulent, hein. C'est terrible. Là c'est les autres derrière. Non mais au bout d'un moment je me dis ils vont bien réussir à fuir quoi. Les javelots à force de se prendre des dégâts. Ah oui voilà. Bah oui. Ah, c'est con s'il y avait une petite tour genre ici. Ça fait tellement mal aux unités qui s'étaient planquées là. D'ailleurs j'en vois plus. Donc ils ont dû commencer à faire le tour. C'est pas forcément la meilleure des nouvelles. Ah si, il y en a une là-bas. Ils savent pas trop quoi. Ah si, ça y est, merde, ils commencent à faire le tour. Aïe 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 aïe. J'ai 20 minutes à tenir. 20 minutes, 20 minutes. Javelot ilote. Oh bah. T'en viens de s'en débarrasser et. On chie. On vient de se débarrasser de Javelot ilote et on doit déjà se rendre débarrassé. En plus, elle a des tours à flèche là. Oh, double. Ouais, et après, il y a des lanciers périèques là donc. Donc, il y aura un corps à corps dans tous les cas. Là, je vais juste pas me prendre une salve gratuite, donc je vais reculer ça, mes troupes. Là. Là, je vais faire mine d'attaquer pour faire reculer ces unités. Non, 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 quoi? Il recule pas ce con? Ah, d'accord, bah attends. Bah, reculez pas, y a pas de problème. Hein. Regardez qui va vous arriver sur la tronche. Hein. L'ensemble des troupes quoi, c'est con. Non? Ah bah vous reculez du coup. Oh, vous êtes pas drôle. Hop là. On se replace, bien évidemment. Aïe, 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 des hoplites. Une unité très lourde. Tout le monde au corps à corps. Ce qui est chiant, c'est que je perds mes tours à flèche. Et alors là. Là c'est jamais très très bon. Parce que leurs lanciers, ils sont pas dégueux. Là j'ai une ouverture là. En plus, ils me tirent dessus comme il faut. J'ai snipe. Il balance 2-3 javelots et chaque javelot il fait mal. Hein. À ce niveau-là. Périècle, ouais, bon. Là, ça va être la défaite. Hein. Ouais, je l'aurais fait mal, mine de rien. Le but étant uniquement de tenir. Et d'espérer avoir des pertes ennemies. Aïe 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 aïe. Ah, on va se faire déborder les... Oui, oula, oh la vache, ça creuse là-dedans. Là. Après, à pousser comme un abruti, il se fait attaquer par l'arrière.
Donc c'est pas forcément la meilleure idée qu'il ait eue non plus, hein. Bon là ça va, ça reste des hoplites, mais un périècle, hein, c'est pas non plus. Pas non plus ses meilleures unités, un hein, hoplite périècle. Ah, vous voyez, hein, il se fait un peu attaquer par l'arrière et bon bah il aime pas trop ça. Bon après on a quand même des grosses pertes. Lui aussi. Ah. Comment ça, 40? Ouais, bon, je comprends. On va resserrer là. Ouais, si les mecs qui sont 30, ils ont. Oh. Ils sont pas non plus serein, les hoplites là. Attaqué par l'arrière là. Ah, ça leur a cassé le moral. Ah, moi aussi, là, je me suis pris une petite salve, j'ai pas aimé au niveau du moral. Hop, on va faire attention. On va reculer. Toutes sauf une, toutes sauf eux là. Il faut réactiver les tours. D'ailleurs pour ce faire, je vais les envoyer ici, comme ça ils vont prendre. L'agression entre guillemets. S'ils restent bien planqués, ils risquent pas non plus grand chose. Mon général, je vais le planquer par contre, faut pas qu'il tombe. Si mon général tombe, c'est la Bérézina. Voilà, j'ai mes tours à flèche qui refont un petit peu de. Ouf, ça va. Je vais les mettre voilà, comme ça. Disons qu'ils sont moins faciles à toucher comme ça. Bon, on va en envoyer d'autres. On va pas envoyer beaucoup d'autres. Il est planqué là-bas. Voilà. Le but c'est de les mettre sur toute la longueur. Ils vont épuiser leurs munitions et quand ils auront plus de munitions au corps à corps, je pense qu'on devrait avoir un avantage. Je vais les planquer là. Je vais accélérer. J'ai 6 minutes 50 à tenir quoi. Et là en longueur on a moins de pertes quand même. On a beaucoup moins. Et ils vont épuiser leurs munitions avant toute chose. Avant toute chose. Bingo. Ils ont plus de munitions déjà. Hop. Leur unité qui est là tombe. Là, je vais rester comme ça. Je vais reprendre les deux points. Oh non. Je les avais pas vus, eux. Oh merde. Oh merde, je les ai clairement pas vus, eux. Alors, vous êtes gentils, les gars, vous allez rester là. Voilà, votre but, c'est juste de ralentir l'ennemi, hein. Oh merde. Oh là là, il en arrive toujours quand il faut pas. Bon, j'ai 3 minutes 40 pour gagner avec le temps, quoi. Alors si je joue autant, c'est parce que par moment, il y a des batailles buggées. Et les batailles buggées. Bah des fois, en fait, elle est infinie, donc t'es obligé d'abandonner alors que logiquement, elle est gagnée. Mais non. Donnez le plus de temps que vous pouvez, les gars. C'est.
Je sais même pas si je vais réussir à tenir les 3 minutes. Bon, ils vont essayer de prendre les points petit à petit, peut-être. Ouais, je vais garder mon unité. Mon général, il faut absolument pas qu'il fuit. Donc, je vais le mettre ici. Là, je vais venir avec cette troupe-là. Ah, mais non, parce que là, il y a les tours à flèches qui ont été prises. Il faut que je joue le temps, là. Là, je vais me foutre ici pour protéger ma tour à flèches. Je sais pas s'ils ont encore des munitions, mais ma tour à flèches, je sais qu'elle en a. Munitions limitées, pratique. Voilà, mais il y a le feu. Bah, c'est ma tour à flèches qui a foutu le feu à mes maisons, là. C'est quoi, couillon? Ouais, bon, bah, c'est gagné. C'est autant, ça devrait être gagné. À moins que... Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Je vais défendre les portes là-bas. Franchement, qu'ils prennent ma tour à flèche ici, c'est pas un souci. Hein. J'ai une minute à temporiser. La ville, elle tombera pas comme ça. Ouais, c'est une victoire autant. Bah mince. Ça faisait bien, bien longtemps que ça m'était pas arrivé. Hein. Oh. Peut dire merci les unités qui ont buggé. C'était pas la plus belle des victoires que j'ai fait. Mais ça reste une victoire, donc. Donc je vais pas me plaindre. Donc j'ai pas à me plaindre. Ça a pas de sens. Ah, c'est génial. Bon, attends, ça se trouve, ils reviennent un coup. Hein. Non, ça va. Bon, bah, c'est là-dessus que je vous laisse pour l'épisode d'aujourd'hui. Hein? J'espère que ça vous aura plu. Comment gagner une victoire autant. Et Ok, je vous propose de me retrouver bah, très bientôt pour le prochain épisode. Merci d'avoir suivi, c'était Tchob. Ciao.